J'allais beaucoup en Italie, ça m'a fasciné. Et j'ai lu beaucoup de livres sur l'histoire romaine. Et j'ai dit, quand ils ont inventé la croix et la crucifixion, tu peux voir pas plus métal que ça. J'ai dit, il faut que je mélange ça avec la musique. J'ai dit, les Vikings l'ont fait. Et il n'y a pas personne qui a fait le rhum. Et j'ai dit, il faut que je le fasse. J'ai dit, je vais le faire. Et ça a un gros impact. Ça a l'air à marcher bien pour l'instant avec les médias. Ça va bien. On va voir. L'album vient de sortir il y a 2 jours. Pour dire la vérité, j'ai pas vraiment d'attente. Je trouve que j'ai fait ça pour une raison plus innocente pour moi. Juste un projet, je voulais faire comme ça. Il y a eu une étincelle qui est arrivée quelque part et maintenant, ça a l'air de quelque chose que beaucoup de gens ont l'air intéressés. Ça a l'air vraiment explosé sur la scène média, les albums du mois dans beaucoup de magazines et tout ça. Moi, je m'attends pas à grand-chose, mais... Je veux vraiment faire des tournées, mais je veux le faire de la bonne manière. J'ai fait un vidéoclip que j'ai filmé en Serbie. J'ai refait l'histoire de Rome, comment elle est partie. C'est un peu le style de film 300, un peu ouais, comme ça. Et maintenant, on va faire des concerts pour ça. Et ça va être vraiment avec tout le théâtral romain, les armures et tout ça. Alors, beaucoup de testostérone. C'est comme être chez nous, hein, dans un sens France-Québec. Juste l'accent est différent, le reste est très pareil. Hein. Alors, pour moi, c'est très cool d'être ici pour la raison que on est toujours ici dans des clubs. Et là, dans un environnement festival avec un line-up digne de Wacken. Hein? Les festivals, c'est vraiment incroyable. C'était très, très fort. Et chapeau à tous les organisateurs d'avoir mis la France sur le drapeau mondial du matin. Hein? Très bien.